Pour le retour de Guillaume Soro, le président de la JUCI, Koulibaly Sié, porte-parole de la CMAGKS, estime qu'Alassane Ouattara devrait recevoir son ancien président de l'Assemblée nationale. Dans un entretien avec le confrère L'Inter, paru ce mardi 22 mars 2022, Koulibaly Sié a traduit ses espoirs de revoir son mentor Guillaume Soro sur les bords de la lagune Ébrier. Ce, après un appel qu'il a lancé à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara. « Je puis vous rassurer que le président de Générations et Peuple Solidaire ne s'est jamais mieux porté. Nous sommes heureux de l'avoir comme leader. » Après avoir lancé l'appel du Golfe, appel à un dialogue Alassane Ouattara, Guillaume Soro lancé le 17 octobre 2021 par JUCI, « Nous sommes convaincus que Guillaume Soro est en route », a-t-il déclaré. En dépit de la dissolution du GPS par la justice ivoirienne, Koulibaly Sié trouve en l'ancien député de Ferkès Sédoubou le futur locataire du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Cette conviction, le motive à plus uvéré pour son retour en Côte d'Ivoire. Un retour qui s'inscrira dans la logique de la réconciliation nationale et non celle de la vengeance. Il faut travailler au retour du président Guillaume Soro, nous sommes convaincus que Guillaume Soro reste la personnalité politique la plus audible en Côte d'Ivoire et qui, dans l'opposition, en tout cas, au sein de la nouvelle génération, peut devenir et sera le sixième président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, il faut travailler au retour du président Guillaume Soro comme au retour de tous les exilés et à la libération des prisonniers à l'image de Soul to Soul, afin que, dans l'unité, la Côte d'Ivoire puisse se retrouver, a ajouté le porte-parole de la CMAGKS. Guillaume Soro et la justice ivoirienne. En ce qui concerne ses déboires avec la justice ivoirienne, Koulibaly Sié explique que le président Alassane doit réagir de la manière qu'il a procédé avec certains opposants. Malgré la condamnation qui pèse sur eux, Laurent Gbagbo et Kone Katinan ont été reçus par le chef de l'État. Pourquoi ne pas en faire autant pour Guillaume Soro? Cela veut dire que malgré les charges contre Guillaume Soro, il peut le recevoir. C'est une simple analyse politique. La morale et l'éthique commandent que Guillaume Soro rentre, qu'on refuse de se regarder en chien de faïence, que nous donnions la chance à nos leaders de se parler. On ne peut pas continuer d'aller dans le mur et faire semblant, a-t-il indiqué. Lire aussi le conseil de Guillaume Soro s'insurge contre la dissolution de GPS car selon lui, il n'y a pas d'issue sans un dialogue direct entre le président de la République et son Excellence Guillaume Kijebafori Soro. Peut-on raisonnablement dire que Guillaume Soro ne pèse pas en Côte d'Ivoire? Non. Celui qui trouble le sommeil du RHDP s'appelle Guillaume Kijebafori Soro. Autant dire, Guillaume Soro rentre, on va fumer le calumet de la paix.